Bonjour. Elden Ring. The next step. The next step of the découverte. Toujours ma première session de jeu. On vient de terminer les catacombes. Et du coup, bah, je continue mon exploration. Je sais toujours pas vraiment où aller, mais qu'est-ce que c'est stylé. Voilà, ça me dit vaguement d'aller par là, quoi. Donc, peut-être essayer d'y aller après. Hein, Mais du coup, j'étais intriguée par ces bulles-là. C'est complètement des trucs vivants, ça. Pas des cailloux. Hein. Ça explose, ça, non? Qu'est-ce que c'est que cette bouillie informe, cette boule informe, là? Tête de libellule géante, libellule de pas du tout hein. Oh, de la viande. La viande de boule. Une sorte de testicule. Et deux pustules. Une pusticule en fait. C'est un petit mélange. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est une tortue. Sympa. Ouais, elle est sympa la tortue. Oh. Tortue. Oh, il y a une grosse tortue! Trop contente. Je sais pas, je suis contente qu'il y ait une tortue. Ça me fait beaucoup plaisir. Qu'est-ce que c'est ça? Ça brille. C'est un point de soin. Hé! Hey, il y a des animaux quoi! Est-ce qu'ils veulent pas me tuer? Je sais ça. Ah non! Ah, attendez, je peux m'accroupir. Oh. Ah, comment on fait déjà comme ça? Loot. Éclatasse, mec. Y a un endroit où je peux sauvegarder. Là-bas, je peux. Je vais juste sauvegarder ici pour le moment, mais je vais peut-être pas visiter maintenant. Ça donne envie, hein. Rien n'est sympa dans ce jeu. Tout. Non. Elle était super sympa la tortue. Elle m'a montré des matériaux. Ah, des loups. Non mais c'est pas... Je peux pas encore. J'ai pas encore le matos, ça je sais. Les loups, ils avaient l'air durs. J'ai vu vite fait en stream, ils avaient l'air durs. Je vais pas y aller tout de suite. Mais j'ai sauvegardé et j'ai débloqué le point. Et du coup, il est toujours là. On le refait, hein. Elle est toujours là, on le refait. Il y en a d'autres. Oh, mais il y en a plein en fait, je suis dans la zone où il y a plein de méchants. Regarde ça, c'est sympa, regardez, ça m'attaque pas. Ou pipou. Bon, j'aimerais bien savoir où je vais aller. Je pense qu'il faut que j'aille là, à cette intersection. Je vais mettre un point à cette intersection. Est-ce que je vois mon point? Yeah, I saw my point. Respawn dès que tu te reposes, baby. Vivi.
cucuri. Oh, j'ai des cucuri. Oh, des carreaux. J'ai un type là. Je vois pas. Ah, il est retourné. Un truc qui fait du bruit ici. Genre un ventilo allumé. Il y a un bruit de... Il y a un bruit de quelque chose qui brille. Ici, je reconnais le bruit des brilles. Le bruit du brille. C'est ça qui fait ce bruit là ? Moi, j'en broche pas, hein. Des scarabées larmoyés en pourpre et céruléens. Terrassez-les pour remplir votre fiole correspondant à leur type. Cependant, vous ne pouvez remplir vos fioles au-delà de votre répartition actuelle. Attends, je peux... C'était un quoi? C'était... Attends, c'était quoi? Ah mais fallait peut-être pas que je le tue. Ah non, mais si, terrassé. Ah mais du coup, vu que j'ai utilisé aucune fiole, ben c'est foutu. Oh, faut que j'aille... Ah mais non, c'est... là c'est mon point que j'ai posé moi. Ah ouais, ça me semble être la suite, mais je suis pas... Un point de respawn là-bas. Le checkpoint. Oh, c'est tout beau et tout calme. Il y a des aigles plus gros que des chevreuils. Elle a l'air trop vénère, j'aime bien. Tu fais les sourcils foncés naturellement, elle est tout le temps comme ça. Un peu comme moi dans la vraie vie. Quand j'arrive au taf, je suis comme ça. De voir cette étrange que ça me faisait sur le retour. C'est rigolo. Du coup, je disais, il y avait un point de respawn pas loin. Un checkpoint. Voilà ça là-bas. C'est un checkpoint. Ouais. Quand est-ce que j'aurai ma monture? J'ai vu qu'il y a des gens avec des montures. Je trouvais ça très cool. Quoi ça? C'est quoi ce truc? Ah, oh, c'est encore un petit mal. Je vais essayer de l'avoir à l'épée. C'est un crâne. Non, c'est un crâne. C'est rien, c'est un crâne. C'est retourné pour me regarder. Un crâne chelou, mais c'est un crâne. Château du Rul. C'est gratouillé. On peut pas les personnaliser des masses, c'est un perso, mais bon. On les voit jamais. On peut les personnaliser des masses, les personnes, mais on les voit jamais. Oui. Surtout que j'ai vu que des casques, vraiment, c'est juste un saut sur la tête. C'est là qu'il fallait que j'aille. Ouh. Ouais. J'ai bloqué la suite. Ça va, le game design est suffisamment bien foutu pour que même si au niveau des indicateurs, bah, je sois complètement paumé, j'aille naturellement par là. C'est... Ah si. Greetings. C'est bien foutu, quoi. Traveler from beyond the fog. I am Melina. Bonjour. Couille. Ah non, pardon, je voulais dire bonjour, j'en avais enregistré un. Bon, tant pis. Oh, j'ai failli me faire le même tatou. Offer you an accord. Have you heard of the Finger Maidens? They serve the two fingers. Les deux doigts. Offering guidance and aid to the tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden. Turning runes into strength. To aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you. Non, c'est pas tranquille. To the foot of the Erd Tree.
Qu'est-ce que je fais? J'accepte de l'emmener? J'aime pas, elle m'énerve, elle parle trop lentement. Vous n'avez qu'à... accepter. Vous n'avez qu'à emmener au pied de l'arbre monde. S'il vous plaît. Oui, accepte! Bien sûr que je vais accepter, de toute façon, je sais. Summon me by grace to turn runes into strength. Convertir vos runes en puissance. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. Oh, le district spectral! Putain, merci, t'es ma bro. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Oh, il y a des trucs au loin qui ont l'air un peu de... d'être vilain. Torrent vous a choisi, mais on ne s'est même pas rencontré. Ok, monter de niveau. Je peux monter de niveau? Oui, s'il te plaît. Depuis le menu monter de niveau, vous pouvez dépenser des runes pour améliorer vos attributs. Chaque attribut que vous améliorez vous fait passer au niveau supérieur. Plus votre niveau est élevé, plus vous devez dépenser des runes pour progresser. Tout à fait. Vigueur, esprit, endu, force, dexté, intel, quoi. Ésotérisme. C'est quoi l'ésotérisme? Aucune idée. Esprit. Je sais pas la différence entre l'esprit et l'intel, mais j'imagine que l'intel ce sera genre les dégâts. Et l'esprit ce sera mes points de combat, ouais. I'm gonna take some spirit. Et. J'avoue, je mettrais bien un peu de vigueur quand même. Quoique, de toute façon, tout nous one shot. Peut-être mettre un petit peu en force parce que pour économiser, je vais être obligée d'avoir un petit peu de dégâts physiques. Je me demande s'il y en a qui ont refusé. Je suis sûre que si tu refuses, tu peux quand même le faire. Je vous explique pourquoi tu as enregistré couille sinon. J'aurais pas besoin de l'expliquer à ceux qui venaient un petit peu au live de temps en temps, quoi. Ah. Tout le monde ici sait, sauf toi. Ah ouais, attends. La touche aide. Ah, c'est ça, je vais éternuer. Ça marche pas. Application. Puissance d'attaque des armes, basée sur la force qui affecte votre défense physique. Alors, je vais voir ésotérisme. Ça fait aquaponais. D'accord, j'avoue. Attribut déterminant la découverte. La découverte affecte également la défense contre le sacré, la vitalité ainsi que l'efficacité à certaines sorcelleries et incantations. Ah, pourtant j'ai que 9, donc ça doit pas être mon type de sorcellerie, j'imagine. Ah ouais, c'est les incantations. Moi je fais pas d'incantation, moi je fais de la magie. La magie qui n'incante pas. À l'usage de la sorcellerie des pierres d'éclat. Ça c'est moi. Puissance magique. Ou alors je fais full intel pour le moment. Combien en dexté? Dexté c'est quoi? Améliore les dégâts des armes basées sur la dextérité. Ouais, peut-être plutôt que j'ai une arme qui soit basée sur la dexté, mais à part les arcs c'est quoi? Il y a que les arcs peut-être. Il y a des lances par exemple, intelligentes. Le jeu l'a dit. Le jeu l'a dit. En plus résistant. Les arsonnements. Ok. Bon, moi j'ai l'impression que si je suis sonné de toute façon on va m'attaquer tout de suite après, donc c'est dead. Diminuer les dégâts de chute, ça c'est bien. Réduit la durée d'incantation des sorts. Ah, la dexté c'est bien pour ça. La découverte c'est du loot, je pense aussi, mais c'est bizarre. C'est-à-dire que j'aurai plus... je vais looter plus, j'imagine, en nombre. Des plus grandes quantités, voilà.
Parce que moi j'aimerais bien savoir quelle arme utilise la dexté. Lance intelligente. Faut être une flèche pour ça. J'aime bien. Non mais je veux dire en seconde arme, parce qu'il faudra forcément que j'ai une arme à terme de toute façon. Et mes sorts. Obligatoirement. Le taux de drop des loops sera plus important. Oui, c'est ça qu'on le. C'est comme ça qu'on est censé le dire, mais moi je. Pas le temps. Mon esprit est ailleurs. Et notamment au nombre de 16, niveau esprit. Mais voilà, est-ce que je n'augmenterai pas la dextérité en anticipation de mes futures armes? Non, c'est risqué. Je vais peut-être. Peut-être faire l'intel. Pour le moment, mon but c'est quand même de faire beaucoup de magie. Un peu de force, ce serait pas mal quand même. J'utilise la force. Non, je vais faire. Je sais que c'est pas. Voilà, ça fait un build hybride un peu nul, mais je vais avoir besoin d'économiser forcément ma magie. Je vois le fantôme qui me tourne autour là. Pour le moment. Du coup, avoir un petit peu plus de force, ça m'aiderait et je résisterai un petit peu plus. Ce sera pas énorme, mais ce sera pas plus mal. Ouais, moi je dis, je fais ça. Il me reste combien de runes? Ah, 79. C'est pas beaucoup. Ok, j'ai utilisé mes runes, j'ai plus peur de les perdre, c'est bien. Merci, fameux. Alors les fioles, j'ai qu'un seul truc. Améliorer les fioles. Une larme de vie. Est-ce que les larmes de vie, ça peut servir à autre chose? Moi, j'ai peur. Est-ce que je fais pas 2-2 aussi? Vraiment, je vais faire 3-1. J'ose rien changer. Je suis vraiment une flippette. Est-ce que je peux apprendre d'autres sorts à un moment où il faut que je les achète ou que je les trouve peut-être? Ah, ça doit être ça, ouais. Pof. Ah oui, j'ai des petits couteaux. Je vais pas tester la tête qui dit bonjour, moi je vais tester, je vais apprendre. Utilisez le sifflet spectral pour invoquer le chevaucher et chevaucher le destrier spectral. Lorsque votre destrier spectral meurt, vous pouvez invoquer à nouveau en échange une fiole de larmes pour... Ok. Je vais faire juste après, mais d'abord je vais tester ma... Attends! Sous sa coche, vous pouvez équiper jusqu'à 6 objets. Oula! Je me perds dans mes menus et... Arrête. Arrête, arrête. Lisez. Putain. Pardon. J'ai effectivement une tête qui dit bonjour. Je vais le mettre dans mon coffre quand même. Pas où quoi. J'avais mis ça? What? Alors, destrier spectral. C'était pas ça? C'est bizarre, ils ont l'air de faire la fête un peu. Oh. Attendez, c'était pas ça?
il est pas dans mes raccourcis. Comment je le mets dans mes raccourcis? Mince, comment je le mets dans mes raccourcis? J'ai pas compris. Waouh, il est beau. Il est beau, mon petit bouquetin. Ma petite vachette, plutôt. Qu'est-ce que je dis? Ma petite vachette. Je tremble avec 50 000 armes, les poids de stuff inutilisés ne comptent pas. Ah, je peux pas les perdre? Je peux aider? Ah oui, bien sûr, Lys. Ah, c'est là. Oh oui, merci. Et du coup... Ouais. Ranger. Ah, et là, je peux mettre ça. Ok, thanks a lot. Comment on fait les émotes? Non, j'avais vu personne rien perdre. Par contre, comme tu peux pas virer de stuff, les trucs en double, je vais les mettre au coffre. Ok. Ou bien... Un peu comme Gandalf, il avait une vache. Regardez la manière de courir, c'est trop Gandalf. Comment je fais pour m'en débarrasser? Je suis trompée, j'ai pas... C'est la bonne touche. Oh, j'ai trouvé une rune dorée! Ça semble bien ça, non? Ah, c'est ça! C'est bon, j'ai trouvé! Attendez. Je vais me reposer puisque j'ai utilisé une popo. Ça, les parcours de ma patte de vache, mais c'est fantastique! Ah, c'est le temps jusqu'au matin. On est le matin, je crois. Non, on est le soir. Voilà. Ah, bon, en plus, il pleut plus. Il pleut. Quelqu'un a d'autres vaches là-bas aussi. Putain, mais chaud, ça. Bon, moi, je vais continuer un peu d'explorer ce petit fort, là. Il a l'air très dur, hein. En vrai, je devrais voir ça plus tard, moi. Par contre, ma map, elle se découvre pas au fur et à mesure. Genre, là, j'ai pas découvert un peu des trucs. Parce que les maps des gens que j'ai vus, elles étaient beaucoup plus... avec des couleurs et tout. Là, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai rien découvert. C'est bon? Ou alors, faut que j'interagisse avec genre une pierre, un truc comme ça. Découvrir la map, parce que là, du coup, c'est difficile de se rendre compte de la map. Bonsoir, Rio Rezu. Bonsoir à la prononciation affreuse. Riorezu, Rioreuzu. Rioreuzu. Bonsoir Rio. Mon chevache, oui. Non, en vrai là je voudrais savoir un truc, c'est est-ce que il faut que j'interagisse avec un truc en particulier pour pouvoir découvrir un peu plus ma map. J'ai l'impression que là, bah... Genre les points d'intérêt que j'ai vus et tout ça, et d'endroits que j'ai exploré, et ben ça... Juste un point, mais ça fait pas un truc joli comme j'ai vu sur les autres. Ah oui, ok, faut que j'interagisse avec... Bon, ça c'est affreux ça. Je vais essayer de les tuer. On vient de sauvegarder, ils ok. On a utilisé toutes nos runes, donc franchement on n'aura pas grand chose à perdre. Ah d'accord. Ah ma vache. Elle est où ma vache? Attends, dégage. Ah! Oh, je suis coupée! Non, je panique pas, c'est pas vrai! Putain, pourquoi je fais la mauvaise gâchette? Utilise ma magie, mais n'importe comment! Énorme loup! J'ai paniqué, ça devait pas se passer comme ça.
Lui, il a pas bougé d'un pouce. Ça m'énerve, ça. Les poteaux, ils viennent défendre et lui, il aide pas. Alors que à la base, ils se sont sacrifiés pour le défendre. Ça m'énerve, ça. Ça franchement, ça m'énerve. Ça, tu m'énerves. C'est pas sympa. Ils viennent tous vers moi là. Ah ah ah. Attention, c'est de la magie. J'ai vachement bougé ici. C'est... Je t'ai pas vu. Accroupi, je te vois quand même. Il y a le loup aussi. Je dirais le même des gars qui passent plusieurs fois au niveau de la porte là. Issus de d'autres fuzz. Ah d'accord. On abandonne les poteaux comme ça quoi. Ça m'énerve. Ça m'énerve. M'énerve ça aussi. Ah putain! Ok, faut que je cours, que je saute, que je tape. Alors déjà, courir, c'est quoi déjà? Ah. Ouais, c'est ça, ok, c'est bon, je me rappelle. Voilà. Non, pas lui. Joli! Enfin. Le loop. Moi, je fais tout ça, mais je sais pas pourquoi. Hein. C'est un peu gratuit quand même. Ni bon. C'est une grotte à explorer pas loin. C'est celle-là que je devrais faire avant. Dans la forêt. Ok, ok. Merci pour les infos sur la map. Oh! Y'a un trou. Où je vais faire? Non mais j'y allais avec du swag, pas accroupi. Trop bien. C'est une arme. A l'aide d'un couteau à aiguiser, vous pouvez utiliser des cendres de guerre pour octroyer de nouvelles compétences à vos armes auprès d'un site de grâce. A l'aide d'un couteau à aiguiser. Une arme ne peut posséder qu'une seule compétence. Toute compétence dont disposaient auparavant les armes sera retirée. Auparavant. Auparavant de quoi? Si on met une compétence à une arme, moi d'accord. Le type d'une arme détermine la compétence qu'elle peut avoir. Certaines armes spéciales possèdent des compétences fixes qu'on ne peut leur rendre attribué d'autres. Est-ce que ça marche pour les armes qui sont pas des armes, c'est-à-dire les bâtons de magie? À l'aide d'un couteau aiguisé, vous pouvez utiliser des cendres de guerre pour octroyer des affinités à vos armes. Des affinités, mais c'est quoi la différence du coup? De cette manière, vous pouvez modifier l'affinité offensive. Les bonus d'attributs et d'autres caractéristiques d'une arme. On ne peut attribuer de nouvelles affinités à certaines armes spécifiques comme celles possédant des compétences fixes. Ok. Ah bah du coup j'ai le coup de tal. On teste. On va boire une popo. Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Et des sondes pour les bâtons. Merci. Belle détente. Par le loop. Isolé. Tu comptais me buter en vrai, entre nous. Entre nous. Ah, trop de monde là.
C'est un mec ça, je vais buter. Ah non, je vais partir en courant parce que j'ai été repéré. Oh, ça ? Non. J'ai trop pas été repéré ! Faut pas paniquer le chat, je vous l'avais dit. Ok. Par là. Y'a quoi ? Des papillons. Je peux les looter. Ouais, je savais. Sympa ça. Parce que c'est mais je trouve ça vachement sympa. Oh, c'est sympa. Et quel côté lui ? Voilà, il me regarde pas là. Il regarde pas vers Wham là. Qui c'est ? Ouvrir. C'est un coffre, mais j'avais pas vu son objet. Léo d'armes. Oh! Faut que je prenne un truc plus léger de toute façon. C'est chaud quand même, non? Tout va bien, tout va bien. Y'a rien qui est chaud, tout est à température ambiante. Pour le moment. Lui il est fort, lui il est fort, il a l'air fort. Lui il est pas fort. Lui je le bute. Moi je te bute. Je m'en fiche. Oh bah ça c'est encore du loot là. En vrai ici de toute façon je devrais nettoyer quand j'y retournerai pour aller dans le château. Je peux aller maintenant. Quoique au moins en fait je pourrais juste passer sur le côté tranquille. J'aurais déjà tout looté. Non. Pas faire ici. Non. Ah lui il est plus fort. Je me suis accroupi, je voulais pas. Voilà, vas-y, essaie de venir là, nulos. Ah, j'ai rien, je déconne. Ah mais si, regardez le chemin, il me mène là. Oh, même ça craint du boutin. Pression de dingue. Ça craint du boutin. Tu es bien dans le dos de ton adversaire, tu tapes avec l'attaque légère, tu feras un critique. Mais avec l'attaque lourde aussi, j'ai l'impression. Je sais pas, je crois qu'il disait juste attaquer. Espadon. Oh mais un espadon, c'est une grosse arme. Je vais pas prendre un espadon, moi. Où est tout mène ici? Oh, trop bien, j'ai un truc. Et je vais vérifier s'il est bien tout looté, parce que bah, une fois que j'aurai sauvegardé, ils vont respawn. Du coup, je vais même me heal. Parce que je crois que ça fera moins de dégâts. Là, bah voilà, je faisais des attaques légères, lourdes. Si j'ai une attaque légère, je crois que ça va être de toute façon moins. Tu vois ? C'est bien dans le dos, on peut pas dire le contraire. Hein, c'est... Je crois que les deux attaques font un crit, mais il vaut mieux faire une attaque lourde parce que bah au moins tu fais un crit qui pique. C'est prêt. Non, tu as une scène d'exécution. Ah ouais? J'ai pas jamais vu ça, moi. Bah attends, je veux tenter, hein. Je veux exécuter, moi.
collé au type quand même. J'avais même plus de quoi faire un recul tellement tu... Sinon je mettais un petit coup de poignet durant le geste. C'est proche hein. Je sais. Fragment de ruine. Super, j'ai ramassé des cailloux. J'aime bien les cailloux. Comme des bleus pas. On va fouiller par là. Ah bah tiens, on va tenter ce que tu dis. Lui il bouge pas en plus. Avec une attaque rapide, hein, c'est ça que tu dis. Voilà, là je peux plus avancer sur lui. Je suis bien dans son dos. Oh ouais! Oh merci! Oh ouais, d'accord! Merci beaucoup! Merci beaucoup pour l'info. Très intéressant. Multibag un peu. J'entends. Attendez, je vise un truc au loin. Juste des écureuils, mais fous-leur la paix enfin. Sauvage. Je veux tout buter celui-là. Je suis près d'une fureur destructrice, je fais plus rien d'utile là. Je vais aller au campement. Au checkpoint. Je tuerais pas le gros balèze maintenant que je peux tuer trop bien. Maintenant que c'est... Oh mais oui, il y a un truc à lire là en plus, j'avais pas vu. Oh non mais il y a l'autre. Non mais c'est bon, il est de dos. Voilà, parce qu'il lui manque un tout petit pouillem de PV là. Ah du coup j'ai la carte. Nécrolimbe occidental. Ouais, ça les fait apparaître, trop cool. Voilà, là je préfère un peu la tronche de ma map là. Ah j'avoue. J'avoue. Je me fais le gros balèze. Comme ça j'aurais tout buté. J'aurais peut-être un succès. Vous avez buté la nécrolimbe. Vous êtes une nécrophobe. J'ai cherché la merde. J'ai trop peur. Parce que j'ai fait plein de trucs et j'ai pas sauvegardé. J'ai pas été au checkpoint en me disant attends qu'ils sont là et qu'ils ont pas respawn, j'en profiter pour tout faire. Comme ça ce sera fait. Checkpoint maintenant. Je l'avais pas activé, j'avais oublié qu'il fallait l'activer avant. Non. Perdu. Ah non, c'est bon. Je peux récupérer mes ruines et mes âmes. Pas mes ruines. Ok, non, ça va en fait. Trop bien. Tout va bien. J'ai géré. J'ai un max géré. Je vais me récupérer les petites cerises là. Je vais me reposer un peu parce que je préfère visiter les endroits de jour. Tu peux monter de niveau ?
Parlez à Melina. Melina. Salut meuf. This tiny golden aura is the grace of the Earth Tree. This light. Leur brillait autrefois dans les yeux de vos semblables, mais à présent, elle qui vous guide, du moins, on raconte. Vous la voyez, n'est-ce pas? La lueur de la grâce qui vous guide à travers des... D'accord, donc parler, c'est littéralement parler, c'est-à-dire que... On va pas en dessous de la cam, mais qu'est-ce que s'en fout? M'ennuie celui-là! Moi, je sais même pas combien d'âmes j'ai. Je les vois pas non plus. Hein. En fait, il n'y a pas de runes sous ma cam. Il n'y a rien. Je déplace ma cam, tu verras rien. Donc, je sais pas ce qu'il faut que je montre en fait. Parce que je ne vois pas de trucs à cet endroit-là jamais. Là, pareil, j'ai pas. Quand je me bats, qu'on voit les runes. Les âmes, les runes. Enfin, il y a jamais de chiffres en fait à cet endroit-là. Ou en tout cas, je vois pas. Ou alors, c'est que quand je me bats. Moi, j'ai un compteur à droite. Bah, moi, j'ai pas de compteur. Tu l'as quand, ton compteur? Moi, je l'ai pas. Je peux le mettre toujours visible dans les paramètres. Ah, d'accord. Voilà, là il y a des trucs qui s'affichent quand je loot un truc. Donc je peux me mettre plus basse, mais bon. J'ai looté une cerise. Voilà. Ça permet carrément de savoir quand aller les dépenser. Ah ok. Ouais, je sais pas, moi j'ai pas ça moi. Ça aussi. Oh, oh. J'ai vu là-haut. Et de plus loin quand on a perdu 3000. Mais c'est pour ça, du coup, moi, je suis une oppression, je les vois pas. Ah oui, là, effectivement, je les vois quand je fais start. 957. Je crois que je peux pas encore les dépenser. Mais je vais les dépenser si je peux, parce que là, j'ai peur de ce qui va m'arriver. Montée de niveau. Ah ouais, d'accord. Il me faut 793 pour le moment. Difficile de savoir où je dois dépenser pour le moment. Je vais mettre en esprit toujours ou en intel. C'est des gars, esprit c'est la quantité. La quantité. Faire intel. Voilà. Là comme ça j'ai dépensé, c'est bien. Ah oui, les centres de guerre, c'est quoi alors? Ah, c'est ça qui me permet d'améliorer mes armes. Ouais, mais je risque de changer d'arme bientôt. Donc là, c'est risqué, non? Imaginons là, je choisis mon bâton. Hop. Bah voilà, imaginons je choisis mon épée. Et là, je mets ça. Octroyée. Oh, je comprends rien par contre. L'affinité, là c'est des dégâts physiques. Bon con. Parce que, alors, on est d'accord que la cendre de guerre, une fois utilisée, c'est foutu, elles sont utilisées. J'ai déjà perdu 1,2 million en New Game. Plus. Sur Dark Souls 3, putain. Que t'aurais pu choper deux niveaux. Comment ça, choper deux niveaux? Pas compris. Je vais les récupérer. Ah. Ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être l'arnaque, ce truc. Ça, je rajoute ça. Merde, j'ai rajouté, je voulais pas. Ah, d'accord, j'ai annulé la Melio. Ah bah je vais la mettre alors pour le moment. J'ai rajouté une amélio mais j'ai l'impression que ça baisse les dégâts physiques. À
Attendez, pourquoi ça baisse les dégâts? Je comprends pas. Là, il y a écrit... Si j'annule l'amélio... J'ai en physique 102 plus 11. Et si je mets... J'ai 87 plus 13, c'est de la merde. Et c'est quoi, cet amélio qui baisse la puissance physique de mon attaque? Qu'est-ce que ça, là? Je comprends un peu. Je comprends pas. En plus, ça me coûte plus cher en PC. J'ai l'impression. Quoi, cette arnaque? Et mettre sur d'autres armes. Ok. C'est impossible sur Elden Ring. Tout à fait. Pour le moment, ça va. Je trouve que c'est pas l'énorme coup de poing dans la gueule qu'un Dark Souls, donc ça va. J'ai été à Dark Souls. Sélectionnez mes qualités. Bah j'ai mis qualité. Attendez, regardez, hein, vraiment. Nous allons voir ça ensemble. Vous me direz ce que vous pensez. Cendre de guerre, du coup. Voilà. Donc je mets ça. Si je fais aucune, voilà. Si je mets qualité, ça fait ça. Mais regardez, les stats ont changé et sont moins bien. Bon, je sais pas si vous voyez bien, hein, faut mettre en grand écran. Mais en physique, c'est passé de 93... Enfin, de 102 plus 11 à 87 plus 13. Donc ça a l'air nul. Voilà si d'autres trucs changent, mais j'ai pas l'impression. Si je fais aucune... Aucune, là par contre c'est plus intéressant. Ça reste en 102 plus 11. Mais je sais pas ce que ça me rajoute dans ce cas-là, je comprends pas. Ça fait quoi? Si je vais dans qualité, voilà. Et on voit le truc bonus d'attribut, un dé qui passe en dé, un dé qui passe en dé, ce qui peut pas dire grand-chose pour moi, mais voilà. On est d'accord que c'est... Du coup c'est une amélioration qui rend mon arme plus nulle. M'y attendais pas. Bon, on verra. Et je sais pas compris. Y'a un truc que j'ai pas piqué. Redresser ma chaise. Ah, j'ai mal. Quoi? Oh, attends, je redressais ma chaise. Quoi? Oh, attends. Vas-y, je m'en fous, je vais dormir. Alors, j'étais trop pas prête là. Trop pas cool. Il est trop loin, ça marche pas. Ça marche pas. Ça fonctionne pas. Connard quoi! Il a l'air trop fort! Bon, là c'est de l'entraînement, c'est juste pour connaître un petit peu, comprendre le jeu. Donc voilà. Je déconne! Je peux passer entre ses jambes? Passer entre tes jambes. Bien resté sous son pied. Pas mort. J'ai insisté.
Bah là, de toute façon, j'avais commencé avec de la vie en moins parce que, et avec beaucoup de magie en moins parce que j'avais essayé d'atteindre les autres là que je pouvais pas atteindre en fait. Donc j'avoue que j'ai pas trop essayé. Voilà, je me suis dit, oh, on y va en mode YOLO. Et il vaut mieux mourir ici, comme ça je récupère mes trucs facilement. Par contre, eux, ils m'emmerdent un peu. Je vais essayer d'en tuer un vite. Super. Voilà. J'ai touché à la tête. Il est trop deg. Il défend sa teuté. Mais oui, il fallait que j'esquive ici. Ah, je cherche un peu là. Du coup, si je le touche à la tête, ça le stun un peu. Mais ça lui a pas fait beaucoup de dégâts. Mais après, c'est parce que j'ai rien aussi en force. Faut que je le fasse avec ma magie, mais bon. Ça va pas être facile, facile. Bon, je veux pas m'acharner sur les autres là. J'ai l'impression que quelqu'un le remplace après, donc ça sert à rien. Oui, Bernator. Mais non, mais ils me font trop mal quand même. Très emmerdant. Trop mal. Faut que je m'éloigne. Faut juste que je m'éloigne. Et d'où? Il m'a soufflé dessus. Il m'éternue. Super mal, faut vraiment que je m'en éloigne hein. Bien content de mort. Non. J'avais pas récupéré. C'est ballot. C'est ballot. Ah bah si, j'avais récupéré. Non, j'avais pas récupéré. Non. 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 Ça m'a servi à rien de faire ça. De toute façon, j'avais tout dépensé. Ils font trop mal, eux. Moi, en fait, je suis là, s'il n'y avait pas eux. Mais je trouve qu'il est vraiment gérable, mais eux sont horribles. Voilà, je vais le faire apparaître et je vais vite m'éloigner. Parce que, à un certain stade, ils peuvent plus me toucher. D'accord. Des petits lags qui arrivent. Putain, mais je peux pas esquiver s'il y a des putains de lags dans... Quoi? Please! J'ai pris combien de coups à cause de cette merde? D'accord, j'ai raté. J'ai un bel visé, mais voilà. Ça arrive à chaque combat en fait, c'est le truc marrant. Comment ça effigie? Bah non. Juste à côté de mon site. Sur quelle plateforme? Je suis sur PC. Et j'ai un bon PC hein. J'ai une très bonne machine. Et on m'a dit qu'il était pas eu un petit PC sur PC. Effectivement. Voilà, je vais bouger en permanence. Qu'est-ce qu'il arrive? Putain, ils m'ont touché. Voilà. Ah. Je peux plus.
je vais quand même continuer de le tenter. Là, sur PS4, c'est abusé que ça sur un gros PC, puis oui! Apparemment, c'est le petit. Pas besoin de troller sur mon skill. C'est ça. Oh non, mais please. Si, ouais, bon, j'avoue. Je m'éloigne trop parce que après c'est eux là qui ont débarqué. Ça va pas, hein. Pff, c'est chaud. Alors, je passe un peu autrement, je crois. Mais le fait qu'au début m'empêche de mettre dedans, c'est quand même chaud. Je récupère pas mes trucs parce qu'en fait j'en ai plus, hein. J'avais le fait d'avoir level up avant. Ça sert à rien, trop loin. Essaye de reculer pourtant. Voilà, percuter pendant à peu près 2 heures, comme ça là il devrait plus pouvoir m'atteindre. Des matériaux, je prends. Je savais pas où esquiver en fait. Je pensais qu'il allait prendre de l'élan pour taper de l'autre côté. Non, c'est ce qu'il a fait. Presque. Un peu plus de midlife, mais un peu moins de mid. Je l'ai mis un peu plus bas que midlife. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On n'est pas encore presque. Et peut-être. Voilà, ce serait bien que tu viennes. Faut que j'arrête d'essayer de toucher. Faut qu'il est là. Et ça, mais putain. Voilà. Exactement entre ses jambes à ce moment-là, il faisait rien. Pourquoi tu gères pas plus à la magie, ça lui fait rien.
Ça lui fait rien et j'ai qu'une fiole de magie, quoi. Et puis là, tout à l'heure, bah, j'essaie de le toucher et je le touchais même pas. Donc j'avoue que j'ose pas trop. Quand je me mets entre ses jambes et que j'arrive à le taper, je le descends. Alors, il faut que j'y arrive, mais je le descends vachement. Allez, je me casse avant qu'il souffle. Et je suis loin pourtant! Pas le choix. Hein. Voilà. Bon bah. Mal, mais bon. Vu que j'ai qu'une fiole, j'ose pas trop le faire. Mais j'avoue que j'aurais plus, en fait, t'as raison. J'avoue que t'as raison. J'avoue que t'as complètement raison. J'avais l'impression que ça lui faisait rien, en fait. Mais et que des fois, ça le touchait pas. Et quand je suis face à lui, beaucoup mieux. J'avoue. Hello Earth. T'avais raison. Je peux pas m'en poser du coup. Ça va faire un rip-up. GG Nipendo. Merci. Merci beaucoup. J'avoue, la magie, c'est vachement bien. Voilà. Par contre, j'en ai plus. Et pour eux, ça va être chiant, mais bon. On va faire avec ce qu'on a. Ah bah non, ils disparaissent. Non, pas du tout. Non, pas de lag maintenant. Pas de lag maintenant. Pas de lag maintenant. C'est naze. Ça va. Je suis cool, alors ça va pour le moment. J'aurais de potions de vie en magie. Ouais, j'hésite parce que je me dis en ce moment je suis une chips. Mais effectivement. Oh, j'ai 1000. Oh, j'ai 1000, c'est beaucoup 1000. On va beaucoup level up. Je m'emmerde là. Ou d'accord, ici, mais non. JPP de ces connards. Stop, stop. Ça sert à rien, il repop. Je les déteste tellement. Mais bande de nuls là. Aucune race. On dirait moi devant le boss. J'ai plus. Pourtant j'en ai un petit peu encore. Ah mais il y en a deux. Mais quel enfer. Lui que je veux avoir. Non. Dites-moi qu'il y a un checkpoint après.
Oh, j'ai pas l'impression. Ok, je vais peut-être courir juste checkpointer parce que là j'ai peur. Là j'ai plus rien en fait. C'est du grid. Un peu grid tout à l'heure. Tellement Uber. Bah oui, c'est bien les mages, faut prendre les mages. Si on aime souffrir, mais moi j'aime pas. On passe dans un petit espace, tu t'es one shot et tout le temps. Ah, c'est que c'était une chips, hein. Ah, j'ai pas le choix. Ça me saoule, mais j'ai pas le choix. Ça va respawn, hein, je sais. Et j'ai réparti la dose de fiole comme ça. Et je vais dormir jusqu'au matin parce que ça me gonfle. Alors, il m'a donné quelques points pour gagner niveau, mais voilà. J'ai pu prendre un niveau, quoi. Je tente comme ça, je sais pas si ça se fait comme ça. Les gueules. Béry. Je les ai déjà buté une fois, c'est bon. On a prouvé là. Moi je tire. Voilà, ça va. Salut Romobius. Voilà, toi dans ce jeu facile. C'est officiel, c'est Lox la meilleure. Oh ça on le savait. Merci. C'est adorable. Merci beaucoup. Merci Romobius pour les encouragements. Écoute, je fais en sorte de me donner le moins de difficultés en prenant le perso le plus simple. Voilà. Et du coup, bah, je prends du plaisir. Voilà. Moi, ça me va très bien. Bravo, ouais. Bon, là, j'ai fui, hein. Alors, par contre, le petit point que j'avais mis, il me saoule. Faudrait que je l'enlève, mais je... Ah, non. Non, c'est B que j'ai fait. Voilà. Ça attire mon regard toujours au loin de voir un énorme faisceau bleu. Oh putain! J'avoue... J'avoue, c'est un petit aide, hein. Lego du Lox, la meilleure. Et c'était... C'était Grision qui le disait avec Jux quand on jouait. Et on m'a dit dans le chat, ça, il faut que ce soit en émote audio, machin. Et du coup, bah, je l'ai mis. Et sachant qu'en plus, les gens doivent payer pour me dire que je suis la meilleure des beats. Mais bon, j'allais pas le mettre... je savais pas comment le mettre autrement, j'avoue.
Oh si, maintenant je sais, parce qu'il n'y avait pas la commande avant. Maintenant je sais. Et je le mettrai en gratuit. Mais avec des petits cailloux, parce que bah y a pas d'autre type. Je pourrais le mettre. Moi oh, j'avoue, je le mettrais super pas cher, comme ça vous pourrez me le dire tout le temps. C'est qui ça? M'accompagner. Ils ont traversé la mer pour moi, ils se sont battus pour moi. Oui, mais je vais changer ça, je vous assure. Et salut Sigmund, je sais pas si je t'ai dit bonjour. Je tape des gens, mais réflexe, dans le jeu il faut que je tape tout. Vous êtes greffé à la nière araignée, vous devenez un cocon. D'accord. Quel rapport avec les araignées, les chrysalides? Bon, un cocon. Une chrysalide. C'est différent. Oui, non, mais je comprends que t'avais des problèmes. Mais qui n'en a pas? Ça va, quoi. J'adore pouvoir tout péter. Là, elle est là-haut. Elle est là-haut. Je vais faire autre chose? Pas besoin de faire autre chose. Mais j'y vais, hein. Voir s'il faut que je parle à la meuf, peut-être, non? Vu que j'ai croisé une nana qui parlait, peut-être qu'il faut que je lui parle à elle aussi? Elle va encore me parler de... Ouais, non, mais j'aurais pas dû, en fait. Les saints que Malo et ma mère, il y a fort longtemps, au sein même de l'arbre-monde. Petit lag, de la raison pour laquelle je suis encore en vie malgré mes brûlures et ma forme éthérée. Je dois vous présenter mes excuses. J'agitais d'une servante, mais je ne puis indiquer des conseils. La graine que j'ai trouvée. Mais les graines ne servent que à ça, on est d'accord? Parce que moi, j'ose pas les utiliser encore, des graines. J'en ai deux. J'ose pas encore les utiliser parce que j'ai peur que ça serve à autre chose et que du coup, bah, je regrette de les avoir utilisées pour ça. Et si vous me confirmez qu'elles vont me servir que à ça, ouais, je la mets. Je les mets. On les aime demain, bonne fin de live à tous. Des bisous! Oh, c'est bon, ok. C'est la seule raison pour laquelle je les ai pas encore mises. Dans ce jeu, je sais qu'il faut faire gaffe. Ça sert probablement que à ça, ok. Ajouter une dose de fiole. De l'arme pourpre. Pourquoi de l'arme pourpre? Ah bah je peux choisir après au pire. Ah, j'ai utilisé mes graines dorées aussi. Et les larmes de vie. Oh, voilà. On va faire 3-3. Trop bien, merci. Montez le niveau. Ah non, mais je voulais pas que tu le fasses, meuf. Non, mais j'ai pas assez, cherche pas. Laisse-moi tranquille, me touche pas. Pas ça, Zinedine. Quoi, je fais une connerie. Voilà, je me suis utilisé des graines et des larmes pour utiliser la quantité de potions, le nombre de potions et la quantité de vie PC rajoutée. Non, j'en sais rien. Mais tu me fais peur, arrête! Il y a une émote avec les mains dans la tête en mode non, fais pas ça! T'as fait de conneries! Ah là là! Vilain garnement que tu. J'allais visiter ça moi d'abord. Cette ruine. Oh! Vous avez vu là-bas au loin? C'est encore un autre gros là. Tu veux m'attaquer toi? Non, tu m'attaques pas. Oh là là! Oh là là!
Je visite, mais je pensais que je pourrais rentrer dedans. Apparemment, je ne puis point. En quoi servent tous ces crafts là? Des moutons féroces. Oh, c'est classe. Par contre, j'y vais pas tout de suite à lui, hein. Non, pas tout de suite, pas tout de suite. On va suivre le chemin d'abord. Et si, je t'aime bien. Moi, j'hésite. J'aurais pas dû finir ma phrase. J'aurais été parfait. Quel troll. Merci. Bon, je l'ai fait à la magie, là. Hein? Attends, je suis accroupie. Bon, fou, j'en ai plein maintenant. Non, pas lui. Bah si, lui. Je croyais que c'était un... Mince, j'ai pas... Pas bien visé. He's ok, he's ok. Oh, tu niques, hein. Tunique, hein. La bûche qui vient de prendre tarif. Attention, je regarde pas. Parce que j'oublie de viser. Je vais la viser auto, mais je vais la maîtriser parce que je vais être sûr de viser le bon mob au bon moment. Sachant que quand tu vises, bon bah tu peux pas t'échapper, c'est pas pratique, voilà voilà. Donc je préfère vérifier. Je vais faire un truc. Où c'était? Je vais faire un truc. Je voulais faire un truc. Je sais plus. Ah oui, si, bah si. Voir mon inventaire. Bon, ça, tunique, non, mais bah écoute, on est en train de jult, hein. Pas d'équipement d'inventaire. Ah, ça. Ah bah j'ai encore une ruine. Elle est mieux. Bon, elle est lourde par contre. Mais niveau poids, je vois pas ma limite. Mais je vois pas ce que ça veut signifier l'immunité. Je vais faire le mode aide. Résistance au poison et à la putréfaction écarlate pondérée par votre armure. Ok. Et focalisation, c'est quoi? Résistance au sommeil et à la démence. Ok. En fait, j'ai juste de la robustesse avec ça, mais j'ai rien d'autre. Mais en ce moment, j'ai l'impression que je prends plus des dégâts physiques, de toute façon, donc ce serait peut-être plus intéressant d'avoir ça pour le moment. Et je changerai si j'ai besoin. L'utiliser. Pourquoi je peux pas le mettre? Ah c'est bon, c'est comme ça. J'ai pigé. J'ai pigé.
Ok. Okidoki. Mince, il fallait que je le latte. Oh mince, mais j'ai réparti n'importe comment mes fioles. Je vais les avoir bien réparties, mais pas du tout. Bon, tant pis. Ça me saoule. Je vais y arriver. Hein. Là, je cherche vraiment les touches, mais quand j'aurai trouvé, c'est... Je m'attendais pas du tout à ça. Ouh. Peut-être faire le tour, non? Quoi à côté? Dans un caillou. Oh, ils sont 25. Il n'y a pas de friendly fire entre eux, hein. On dirait que non, hein. Je sais pas où je vais, Je vais me redresser un peu. Maiwa. Neru. J'espère que je l'ai bien dit. On se bat exprès pour qu'on s'en rende pas bien compte. Bon toi. Alors. Vas-y, tape. Oh, il y avait un truc là. À lire, comme d'hab. Mauvaise idée. La vache. Quoi là? C'est du matériau. Voilà. De l'herba.
Un truc qui me tire dessus là. J'ai vu. Non mais tu veux pas lâcher un peu l'affaire toi? Ah ils sont deux. Merde. Non, je me suis trompée. Trop lourd. Ah, oh, il y en a encore. Mais lui, je peux le tuer. Bien. Non. D'où quoi? Mais d'où? D'où? Ne le regarde pas. Waouh. Bordel. J'ai un checkpoint. Hein. Non, je déconne. Il est où là? Arrête de viser des gens que je ne veux pas. Tu me. Pas tranquille. Popo. Oui, Popo. Et où celui qui vise là? D'où ça sort en fait? D'où ça sort? On va voir. Oh, il est là! Ouais, je vais te soulever. Je le visais pas alors j'ai raté. C'est mal. J'en ai mis 700. Je peux moi aussi jouer? Revanche, effectivement. Non mais ça sent, ça pue là. Ça pue du huc. Ça pue du fiac cette zone là. J'ai pas pu checkpointer depuis tant d'années. Oui. Où il est? Genre. Allez, je vais quand même encore peu. Oh, mais comment c'est classe! Ce château est trop beau en fait. Même en ruine. Même en ruine, t'es sexy. Bonne chance, bon, j'ai peur qu'on puisse pas aller aussi loin. Donc. On s'éclate en quête du cercle d'Elden. Emboldened by the flame of ambition. Ah. Oh, il a un certain style avec ses. Ah, mais d'accord, c'est le boss là, genre. J'ai pas dépensé mes points. Mais je savais pas que j'avais ça. Quelqu'un doit étouffer ta flamme. C'est le devoir de Margie. Désolée Margie. Non. Faut que je le one shot. Margie, je peux pas Margie.
J'étais pas loin, du coup j'ai profité. Mes points, mais je pensais pas en fait. Je pensais juste aller un peu explorer et puis revenir et voilà. Je. Mais oui, j'aurais dû dépenser mes points. C'est beau ce micro, non? Margie, c'est la fille de Marg et Hogart. Merde! En premier essai, c'est pas mal. Oh, c'est gentil. C'est ma magie qui a tout. Ok. Non, non, je me suis trompée de touche. J'ai envie de caler. Ok. Ok. Ah, j'ai voulu tenter le cac. Nul à chier, NULACHIER. Mais au fait, on peut tomber. Merci. J'avais pas vu. Du coup, là, c'est perdu, ma... C'est nul! C'est perdu, voilà. Alors c'est perdu, quoi. Ah, faut apprendre, hein. C'est pas perdu, c'est au bord? Ah bon? Oui, t'as raison! Genre, mais j'ai failli abandonner, hein. Non, pas de... Alors, le freeze, là... Bah... Fuck you. Ah. Voilà. Si tu meurs, je meurs là, au pire. Ah merde, trop proche. Retente pour de vrai. Là, je crois que c'était mort. Du coup, j'avoue, je laissais me buter simplement parce que je n'avais plus d'espoir. Maintenant qu'on me dit non, c'est si tard. On me dit non, c'est pas mort. Ok. Je vais ramasser mes trucs. And he's ok. Ça m'énerve. Je me trompe de touche. Et une chance sauve. Ne t'inquiète pas, je me trompe tellement tout le temps de... Entre X et Y, entre X et B, je passe mon temps à faire à boire une popo sans vouloir. C'est un réflexe pour moi encore de taper avec X. C'est terrible. Ok, je vais remonter mes manches. Ils sont mes trucs. Ok. Non, je tombe pas dans le trou.
Je vais mourir. Merci de m'avoir laissé du temps, c'est vachement cool. Putain, j'avais plus les loot. Du coup, je vois ma popo. Faut que je récupère mes loot en fait. Enfin, mes loot, mes trucs. Bon, d'accord, là c'est mort. Ah non, je les ai récupérés. J'en peux plus. En fait, le stress de pas pouvoir récupérer mes trucs, ça fait que je me concentre même pas sur le boss. Je veux récupérer et après le battre. Mais en fait, faut que j'arrête. Parce que clairement, il est pas si compliqué. Moi qui. Un petit caca. Je comprends, Grizz Lion. Je comprends. Arrête, c'est bon, on a compris que t'avais de la magie. T'es pas le seul, hein. Non, c'était pas le moment. Il est où? Ah, là. Ok, c'est bon, j'ai récupéré. Non. Putain, je le voyais plus. Des fois, j'ai l'impression que les trucs restent pas au même endroit où on est mort. Alors, tout à l'heure, t'es très proche de l'entrée, alors que j'étais morte vraiment pas à côté. Et là, j'avais l'impression qu'il était plus loin. Enfin, j'ai pas le temps de continuer, là. Je vais te coucher dans 5 minutes. Et là, je sais pas où ils sont. Bon bah là, c'est mort. Il va aller se coucher, je crois. Ah, ça fait chier. Mais oui, non, mais je pensais pas qu'il y avait un boss à cet endroit-là. Je voulais juste visiter un petit peu et revenir. Là, c'est la mort. J'ai plus de pression, ça me va. Voilà, il me met des trucs alors que j'ai plus rien. Zéro. Ça sert à quoi de me mettre un truc alors que j'ai pas de runes? Affreux de faire ça. Hein. Finesse cette seconde phase. Ouais, j'ai moins de pression. Je vais faire une fausse joie. Mais oui, c'est affreux là de te mettre genre c'est bon, vos runes, on vous désamine devant la porte. Et tu ouvres le sac, il est vide. T'as des invocations peut-être en mage? Non. Pas une invocatrice. Puis une sorcière. Non, mais j'aurais tellement dû utiliser mes trucs avant, je m'en veux de fou.
merde, trop tôt. J'ai senti. Oh, tu vas tomber dans le vide? J'ai fait, hein, c'est pas marrant. Oh merde, je pensais qu'en allant proche de lui, il ferait pas d'effet. Je vais demander l'aide d'un PNJ. La marque jaune juste devant l'entrée. Mais non, mais attendez, la marque jaune, c'est pas des connards qui te disent attention, attention, mob facile. Qui t'en a looté tout à l'heure, même si t'invoques de la merde? Ah bon? Ah, je puisse pas. Ah, ça! Ah, ouais! Roger le sorcier, Rogier. Oh, Rogier! Du Rogier! Mais non, ça va mettre un mec en ligne, non? Ah ouais, Rogier! Du Rogier le sorcier! Moi, j'étais censé deviner ça. Le jeu, il me l'a pas dit? Non, pas cela, c'est des connards et ça joue pas! Merci beaucoup, TTV! Je veux dire qu'il est l'heure, faut que j'aille me coucher si tu veux raide. Merci. Alors le Mario Kart, c'est bien passé? Le NK8. Non mais stop. Les lags en fait c'est chiant. C'est pas marrant, c'est de la merde. Oh ouais, du coup il se focus pas sur moi. Avec ce perso, si je prends un allié là, ça va carrément. Ça va carrément plus être possible là. Oh, tu t'es fait éclater par. Tu t'es fait éclater par un PNJ, connard! Ah! T'as buté Roger le sorcier? Je suis choqué en fait. Oh là, merci! Merci, merci, ça va. Margie, bonne chance. Ça va, ça va. Elle est dingue, c'est comment? Monsieur cool. Hello, petit Sims. Trop mignon. Bisous, bisous, Tchop. Bonne nuit à toi, faut que j'aille vraiment coucher. J'ai très envie de continuer jusqu'à ce que j'y arrive. Franchement, je vais le faire sans la voix, je trouve ça trop facile. Roro, il est mort. Mais oui, Roro. Roro le sorcio. Merde. Arrête, c'est pas cool. Roger, c'est ultra punitif, je trouve, je le prends plus. Je meurs quand même. Je meurs quand même, mais je le prends plus. Ouais, mais je sais pas, moi je trouve que, bah, vu que je suis mage, avoir en plus un mob qui tank, c'est peut-être un peu too much. Non, je sais pas, j'ai l'impression d'être malhonnête envers le jeu. Mais Roro, Roro c'est le poteau, hein. C'est le saint. Roro, c'est le saint. Je peux plus, j'ai envie de me casser la gueule.
C'est nul! JPP! J'en ai marre. Faut que j'arrête. J'aime ce gouffre, mais j'ai... habitude de Pokémon. Je vais pas chercher une excuse. Ah, des gemmes que je n'ai pas. Des runes. Bon, je vais prendre Roro. Il était sympa quand même. Ça va. Je sais ce que vous pensez. Le prestrologue. Fun à jouer parce que j'en ai vu. Pas le plus simple au départ. En fait, justement, j'ai vu que c'était complètement le plus simple au départ. C'est juste des chips, quoi. Mais bon. Oh putain! J'en ai marre! Allez, Rogier, fais des trucs là! Oh, Rogier, t'en pas! Rogier! Rogier, sous ma gueule, Rogier! Rogier! Putain, Rogier, quoi? Tu fous quoi, Rogier? Putain, Rogier! 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 Ça commence à être là. Mais je dois aller me coucher en fait. Je dois aller me coucher, hein. Mais oui, en soi, c'est une chips. Voilà, mais. L'astrologue, mais en vrai, à part ça, c'est le plus facile. Mais c'est la faute de Rogier là. Il me protège pas du vide, il me protège pas des mains, il me protège de rien. Allez, Rogier. C'est la dernière. Après, faut que j'aille me coucher. Et ma première run était la meilleure. Bon, peut-être pas la première. Peut-être pas. En vrai, la première était bien. La deuxième était affreuse. Et après, j'en ai fait une ou deux bien. Ouais, c'est ça, c'est pour le loot. Putain, Rogier! Rogier, Ferrine. Arrête, Rogier. Il m'attaque que moi, il m'attaque que moi, Rogier, fais des trucs. Putain, Rogier. Vas-y, tape le Rogier. Je l'ai pas tapé là. Je sais pas, j'ai pas vu d'interaction. Oh bizarre. Oh Rogier, il a atteint Rogier. Putain, Rogier s'est tapé. Attention, Rogier va te taper. Il est pas mieux, hein. Il a plus de vie que moi, Rogier, alors que c'est un mage. Moi, je suis un astrologue. J'économise un peu ma magie. Rogier, attention, Rogier! Je peux te taper. Ah, ça y est, Rogier est dead. On est marre, ce Martal, il m'emmerde. J'ai voulu esquiver, j'ai trompé. J'ai réussi à me tromper de touche. Putain, ça fait 15 jours que je me bats sur contre ce mode. J'ai plus le droit de faire ça. Aïe, 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 aïe. J'ai fui comme une merde. Et bisous, Rogier. Rogier, sung. Je sung. Je vais me coucher. Allez, dernier essai. Vraiment que j'y aille là. Pas malin, c'est de votre faute ça. Et j'ai pas envie. J'ai envie de continuer là, j'ai envie de continuer toute la night. Ah là là. La Rogier quoi. La der des der. Ouais, la der. Alors tu aimes ce jeu? Franchement, ouais. Franchement, oui. Vraiment. J'avais prévu autre chose demain, mais je crois que je vais continuer demain. Ou alors en deuxième partie de... Ouais. Oh, je sais pas. Rogier, fais des trucs. Ah, Rogier, il met du temps, hein. Monsieur, va taper, Rogier. On l'a acculé. Pas acculé, hein. Il le défonce.
Voilà, j'aimerais bien que Roger y m'aide pour cette phase-là. Roger, fais des trucs, s'il te plaît. La vraie d'air. La promis. De toute façon, je... Voilà. Je sais plus quoi. Franchement, j'aurais 10 minutes de retard sur mon heure de coucher, ça va. La d'air. Franchement, la d'air des d'air. La vraie d'air, là. La promis. De toute façon, j'ai pas le choix. Je travaille demain, j'ai pas le choix. La d'air. La vraie d'air. C'est rentable que ce soit cheaté. Non, mais de toute façon, Roger, c'est le poteau. Je suis obligée de l'invoquer maintenant. Non, là, c'est la vraie d'air. Tellement frustrant d'abandonner en cours, d'abandonner avant d'avoir fini le mob, le boss. C'est trop horrible. Non, pas de lag. Ah, d'accord. Oh, attention, Rogi, hein. Tu vas te taper, hein. Je fais ma rave Rogier. Putain Rogier quoi, t'es à terre Rogier. Ah si je cherche ta verre moi. Rogier t'es en bailleur, c'est chiant, je peux pas me mettre derrière lui. Rogier. Attention, il va te casser la gueule. Rogier. C'est pas beaucoup, j'avoue, c'est surtout que santé. Mais là j'ai eu un lag, non je suis obligée de faire la vraie d'air. J'ai eu un lag au moment où je voulais esquiver, comment vous voulez que j'esquive dans ce cas là? Invoqué depuis mon inventaire aussi? Bah non, comment tu veux que je l'ai compris mec? En fait le jeu il m'a jamais dit ça. La d'air à cause du lag, voilà merci. Ouais il est là. Avec la fine. Pas mal de style. Je suis la terre des airs et 2 heures après toujours devant. Ouais mais c'est affreux, il est trop cool. Je te défonce. Bon j'y ai fait des trucs. Vas-y casse-lui son cul. Dans son cul là. Voilà, là. Jette-toi dans le canal, mec! Oh merde! Non! J'ai cherché la merde! C'est la DR là, cette fois c'est vrai. Depuis tout à l'heure. Le jeu t'as pas expliqué au début. T'as expliqué au début mais t'es passé à côté. Bah, en fait il a parlé d'invocateur, moi je suis pas invocatrice. Mage. Bon allez. Non là c'était la vraie DR. Faut que j'aille me coucher vraiment.
Je coupe la VOD. Bon bah pas de fin mémorable pour cette VOD, à part mes milliards de chutes et ma loose complète de mes âmes. Bye bye VOD.